Vous notez le moi, acte 20, verset 24. You note down self, Acts chapter 20, verse 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, here, l'apôtre Paul nous donne son secret. The apostle Paul gives us his secret. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. I give no value to my life as if it were precious. Quand tu penses que tu es quelque chose, when you think that you amount to something, ou alors quand tu veux être grand dans le monde ou aux yeux des hommes, or when you want to be great in the world in the eyes of men, tu auras honte de parler de Jésus. You will be ashamed to talk about Jesus. Parce que tu auras peur d'être rejeté par ceux qui doivent t'élever. Because you'll be afraid of being rejected by those who must lift you up. Quand ils sont là, when they are there, tu ne vas rien dire. You will say nothing. Si tu as peur de ceux qui persécutent, if you are afraid of those who persecute, parce que tu ne veux pas souffrir, because you don't want to suffer, quand ils sont là, when they are there, tu ne dis rien. You say nothing. Quand ils se retirent, when they withdraw, tu te lèves. You stand up. Tu dis j'aime Jésus. You say I love Jesus. Un vainqueur dans ce domaine, an overcomer in this sense, a déjà sacrifié sa vie, ses honneurs, ses privilèges. Has already sacrificed his life, his honors, his privileges. Les hommages des hommes, the praise of men. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. I count my life as nothing. Ma vie, à mes propres yeux, n'est rien du tout. My life, to my own eyes, is nothing. Ce que je veux, that which I want, c'est d'annoncer l'évangile joyeusement. Is to announce the gospel joyfully. Il faut ajouter avec joie. You should add it with joy. Alléluia. 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 Si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le avec joie. If you want to do something for the Lord, do it with joy. Fais-le avec humilité. Do it with humility. Parce que tu n'es pas le seul. Because you are not the only one. Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. I consider my life worth nothing to me if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying of the gospel of God's grace. Dis je proclame. Say I proclaim. Que je ne suis rien. That I'm nothing. Dis je proclame. Say I proclaim. Que je ne fais pour moi-même. That I consider myself aucun cas de ma vie as nothing. C'est le chemin de la victoire. That is the way to victory. Dit comme si elle m'était précieuse. As if it were precious to me. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. If only I finish my race with joy. Avec joie, avec joie, with avec joy, with joy, with joy. Avec joie, avec joie. With joy, with joy, with joy. Certains frères, quand ils sont en train de traverser les temps difficiles. Some brethren, when they go through difficult moments, ils veulent que le poids de ces épreuves pèse sur les autres. They want that the weight of that trial should weigh on others. Ils veulent que le dirigeant porte ça. They want the leader to carry it. C'est ta croix à toi seul. It is your cross. It is for you alone.
Qu'est-ce que je veux dire? What am I trying to say? Quand tu veux que les gens connaissent toutes tes souffrances pour Christ, when you want people to be aware of all your sufferings for Christ, qu'est-ce que tu vises? What is your target? Tu veux l'aide des hommes. You want to receive help from men. Tu veux les culpabiliser. You want to make them guilty. Alors que si tu restes calme, whereas if you stay quiet, le secours viendra du Seigneur. Help will come from the Lord. Tout ce qui t'arrive là, Jésus est au courant. All that is happening to you, Jesus is aware. Lis pour nous Hébreux chapitre 2, verset 14 à 18. Read for us Hebrews chapter 2, verse 14 to 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Et si tu es là pour la première fois, ou lorsque tu es un invité, if you are here for the first time or you are a guest, cette vérité doit te faire du bien. This truth must do good to you. Tu as peut-être essayé de marcher avec Dieu un jour. Maybe you've tried to walk with God someday. Et tu as été tenté, tu es tombé. And you were tempted and you fell. Dès que tu essaies de marcher avec Dieu, tu es tenté, tu tombes. As soon as you try to walk with God, you are tempted and you fall. Quand les gens rendent témoignage, tu te poses la question si c'est vrai ou si c'est faux. When people render testimonies, you ask yourself whether it's true or it's false. Prépare-toi. Prepare yourself. Parce que je vais te donner la possibilité d'embrasser Jésus aujourd'hui. Because I'm going to give you the possibility to embrace Jesus today. Peut-être tu vas à l'église, ça c'est bien. Tu es même venu aussi ici ce matin, c'est bon. Maybe you go to church, it's good. Or maybe you even came here this morning, that is very good. Mais nous allons te donner Jésus. But we are going to give you Jesus. Il ne sera plus pour toi Jésus des autres. He will not only be for you the Jesus of the others. Il va habiter en toi. He will dwell in et you. Cette parole que nous venons de lire, and this word that we just read, va s'accomplir dans ta vie. Will be accomplished in your life. Jésus va te secourir dans les tentations. Jesus will come to your rescue in temptation. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Si les gens tendent des pièges, it means that if men set traps for you, pour que tu tombes dans les mêmes péchés, so that you can fall in the same sin, comme ils ont souvent fait, as they have done often, ils vont constater cette fois-ci, they would notice this time around, que tu n'es pas seul, that you are not alone, que Jésus te porte, that Jesus carries you along, il te fait traverser les épreuves, and he makes you to go through trials. Et tu vas expérimenter pourquoi quand les enfants de Dieu parlent, ils disent souvent Jésus est notre sauveur et notre Seigneur personnel. Tu vas comprendre ça. When children of God speak, sometimes they say Jesus is our Savior and our Lord. You yourself will experience it. Peut-être que tu t'es souvent posé cette question. Pourquoi ces gens-ci aiment dire Jésus est mon sauveur et Seigneur? Maybe you've asked yourself the question sometimes. Why do these people like to say Jesus is my Lord and my Savior? Il est le roi des rois. He is the King of Kings. Il va te sauver. He will save you. Et il va te porter. And he will carry you along.
Il a dit, personne ne peut arracher les enfants que Dieu lui a donnés. He says, no one can snatch the children that God has given to him. Hallelujah. Hallelujah. Lis pour nous 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 6. Read for us 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Si nous voulons porter des fruits, if we must bear fruit, si tu veux réussir, if you want to succeed, que personne ne te trompe, let no one deceive you, il faut que tu acceptes l'endurance, you must accept endurance, la souffrance, suffering, parce que pour récolter, because to harvest, il faut d'abord travailler, you must first of all work. La paresse est un ennemi de la conquête. Laziness is an enemy of conquest. Ne sois pas paresseux. Do not be lazy. Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul says to Timothy, you then my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ. Que veut dire se fortifier dans la grâce qui est en Jésus? What does it mean to strengthen oneself in the grace that is in Jesus Christ? Il y a des dons, il y a des grâces, il y a des vertus que Jésus a donné à l'Église. There are gifts, there are graces, and there are virtues that Jesus has given to the church. Par anticipation. By anticipation. Jésus n'a pas dit, il va d'abord nous former et quand nous serons très forts, il va nous utiliser. Jesus did not say he will train us and when we become very strong, he will use us. Il nous remplit du Saint-Esprit. He fills us with the Holy Spirit. Il nous baptise dans le Saint-Esprit. He baptizes us into the Holy Spirit. And then he says, go to conquest. Tu n'es même pas encore mûr, mais tu sers déjà Dieu. You are not even mature yet, but you serve God already. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est ça qui doit te fortifier. That is what will strengthen you. Il n'y a pas un entraînement quelque part. There is no training somewhere. Tu prends ta force. You take your strength. Dans ce que Jésus a préparé pour nous. In what Jesus has prepared for us. Pour que nous soyons forts. So that we should be strong. Son esprit. His spirit. Sa parole. His word. Sa présence. His presence. Son œuvre. His work. C'est ça que tu dois regarder. That is what you must look at. Après, dit, after that he says, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, and the things that you have heard from me in the presence of many witnesses, confie-le à des hommes fidèles, and trust them to reliable men, qui soient capables de le confier, qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres, who also be qualified to teach others. Et il lui dit, and he tells him, souffre avec moi. Endure hardship with me. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. As a good soldier of Jesus Christ. Souffre avec moi. Suffer with me. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. As a good soldier of Christ. C'est un chemin difficile. It is a difficult pathway. Jésus te l'a dit même avant que tu ne l'empruntes. Jesus told you even before you took it. Et tu ne dois pas l'oublier. And you must not forget. Mais au bout, but at the end, il y a une couronne. There is a crown of life. Il y a des couronnes qui nous attendent. There are crowns that await us. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Endure hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs if he wants to please his commanding officer. Hallelujah. Hallelujah.
Il y a des choses que tu dois abandonner. There are things that you must abandon. Même les bonnes choses. Even good things. Tout est permis. All is permissible. Mais tout n'est pas utile. But not all is beneficial. Alléluia. Alléluia. Si on te sert à manger, si on te sert de la nourriture. If they serve food in front of you. 14 mai par exemple. 14 meals, for example. 14 types de nourriture. 14 types of food. Tu regardes. Look at it. Tu choisis ce qui t'aide. Tu ne prends pas tout comme le cochon. Tu manges tout en même temps et puis tu as les maux de ventre. You should look at it and choose what will help you. Don't eat like a pig and then you take everything. Afterwards, you have stomach ache. Tu peux t'habiller comme tu veux. You can dress as you want. But il y a un type d'habillement qui n'est pas utile. There is a kind of dressing that is not beneficial. N'édifie pas. Which does not edify. Parce que les soldats, because soldiers, ils ont leur uniforme, leur manière de s'habiller, have their uniform, their way of dressing, qui leur permet d'être toujours prêt, which permits them to always be ready. La conquête est une réalité. Conquest is a reality. Si tu t'appelles Lombé Innocent, tiens-toi debout. Si tu es dans la salle, Innocent Lombé. Tu as quoi Lombé Innocent, stand up. Vous voyez, donc il y a quelqu'un qui s'appelle Innocent Lombé. Donc la conquête est une réalité. You see, there's someone voilà, called Innocent Lombé. Voici un homme sauvé, le voilà. That's a saved man. There he is. Il n'est pas un esprit. He's not a spirit. Il peut me serrer la main. You can shake his hand. Kana Désiré est-il là? Tiens-toi debout. Is Kana Désiré there? Stand up. La conquête est une réalité. Conquest is a reality. Dit le gagnement des âmes est une réalité. Say soul winning is a reality. Voilà, voilà. Oka Emolo, tiens-toi si tu es là, tiens-toi debout. Oka Emolo, stand up. Vous voyez? There he is. Est-ce que ce sont les esprits? Are they spirits? Ce sont les esprits. Are they spirits? Ce sont des frères. They are brethren. C'est-à-dire qu'on est sortis, on les a rencontrés, on a prêché, ils ont cru, ils sont là. Means that we went out, we saw them, we preached the gospel, they believed and they are here. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dis je proclame. Say I proclaim. Que la conquête. That conquest. Des âmes. Of souls. Est une réalité. It's a reality. C'est une réalité. It's a reality. Quand elles sont gagnées, when they are won, on les voit. We see them. On les touche. We touch them. Donc, le travail pour les conquérir est une réalité. Il y a la sueur dedans. So the work to conquer is a reality. You have to sweat. Il y a des discours. There are arguments. Tu expliques. You explain. Il te dit qu'il n'a pas compris. He says he don't understand. Après, tu dis qu'il est catholique. And afterwards, he says he's a Catholic. Mais qu'il est Sema. Oh, that is from Sema. Tu vas, tu pries, tu reviens. You go, you pray, and you come back. Il dit, je vais réfléchir. He says, I'll think about laisse-moi it. Le temps. Give me some time. Après tu jeûnes, tu pries, tu pries. After that you fast and you pray and pray. Et Dieu lui donne un cauchemar. And then God gives him a nightmare. Il se réveille en sursaut, il dit où est le pasteur qui m'avait parlé là? He wakes up shaking and says, where is that pastor who had spoken to me? Maintenant je suis prêt, pasteur. He says, and then God says, now I'm ready, pastor. Et tu te réjouis. And then you rejoice. Dis je proclame. Say, I proclaim. Que la conquête est une réalité. That conquest is a reality. Les épreuves sont aussi réelles. And trials are also real. Les souffrances sont réelles. Sufferings are real. La récompense nous attend. And the reward awaits us. La récompense est une réalité. The reward is a reality. Quand tu vas rentrer, when you go back, gagne les âmes. Win souls. Ne parle pas, gagne les âmes. Don't speak, win souls. Ou alors parle pour gagner les âmes. Or speak to win souls. Dieu donne toujours ce qu'on lui demande.
God always gives what we ask from him. Si les âmes font ta joie, Dieu va te donner les âmes. If souls are joy to you, God will give you souls. Dieu connaît les cœurs, il sait que celui-ci a soif, il veut les âmes. God knows hearts. He knows that this one is thirsty. He will give you souls. He needs souls. Frère, vous allez écouter les témoignages. Brother, listen to the testimonies. Après ce camp, after this camp, les frères auront une capacité inhabituelle de gagner les âmes. Brother will have an unusual capacity to win souls. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons de toi, Seigneur. Seigneur, cette capacité inhabituelle de gagner les âmes à partir de maintenant. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous te disons oui. Nous recevons de toi cette capacité de gagner les âmes, Seigneur. Et nous verrons le fruit. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour cette capacité inhabituelle de gagner les âmes que tu veux nous donner, Seigneur. Nous la saisissons. Amen. Seigneur, merci pour cette capacité que tu nous donnes. Merci infiniment, notre Père, notre Dieu. Seigneur, nous scellons cette capacité dans notre cœur. Nous partons avec cette capacité, Seigneur, et tu verras les résultats. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions ensemble. Let's pray together. Gloire à Dieu. Quand le pasteur parlait tout à l'heure, je me suis rappelé d'un témoignage. Nous avons un jeune frère qu'on a gagné l'année passée. Et sa maman ne le persécutait pas seulement, mais elle nous persécutait aussi. Alléluia. Donc il y avait des fois, quand nous quittons l'enseignement le mercredi, quand nous arrivons à la maison à 21h30, elle est devant notre porte. Et pendant le lancement de principauté l'année passée, elle se plaignait toujours, ne prends pas mon enfant pour venir à Djamé, c'est très loin. C'est risqué. Alors que ce petit garçon, avant qu'on le conduise à Christ, il vivait pratiquement dans les salles de jeux de vidéo. Mais quand il a cru, et quand il vient pour l'éveiller, quand il quitte la maison, qu'il vient à la veiller, sa maman vient vers 23h comme ça pour voir s'il est effectivement là-bas. Alléluia. Et elle nous amenait les discours chaque fois. Et au début de la croisade cette année, un dimanche, j'étais en train de venir avec les frères. Et elle nous a vus dans le quartier, elle dit, mais pasteur, il faut m'amener aussi là où tu prends mon fils pour aller chaque jour. Alléluia. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu es prête pour partir maintenant? Si tu veux, je vais faire descendre un de mes filles là, et puis je vais lui donner le transport, et puis toi, tu vas monter ici, on va partir. Elle dit, non, je vais voir après. Alléluia. Et c'était dimanche, le mardi matin, son fils vient à la maison, et il dit, maman dit qu'elle va partir avec vous aujourd'hui, au temple. Gloire à Dieu. Et elle est venue, la première fois le mardi. Et le vendredi, encore elle est venue. Quand elle est venue le vendredi, elle dit, pasteur, ici là, je vais venir jusqu'à la fin. Jésus. Et elle a assisté à la croisade dès ce moment jusqu'à la fin. Et un jour, on était en train de partir, puisqu'on avait les soeurs qui venaient de la France qui étaient chez nous. Et on était un peu pressés. Donc elle m'a arrêté, elle dit, pasteur, l'affaire de baptême là, c'est comment? Acclamons pour Jésus-Christ. Parce qu'elle s'était levée ici, et comme avant elle me disait que non, je suis prophétesse, que ce que vous faites la mort si je fais ça. Donc quand elle s'est levée ici, là, je voulais prendre ça doucement. Je lui ai dit, tu veux te faire baptiser? Elle dit oui. Je dis, ok, il faut passer par la vraie repentance. Je lui ai expliqué tout ce qui est la repentance. Elle a dit non, je suis prête.
Donc lui a conduit à la repentance et elle s'est fait baptiser pendant la croisade. Et c'est un dimanche quand elle rendait son témoignage, elle dit que le mardi, non lundi dans la nuit, elle dormait et puis elle a vu un monsieur dans le songe qui est venu avec un ange pour dire, la voici, elle est couchée là-bas. Depuis on te cherche pour venir servir Dieu. Et tu n'es pas venu, depuis là on te cherche. Et le mardi quand elle est venue, c'était sa première fois de voir le pasteur Meunier, elle dit que ce qu'elle avait vu, qu'elle avait remarqué, c'était les cheveux. Et qu'elle a vu, quand elle a vu le pasteur Meunier avec les cheveux là, elle dit non, c'est ici. Elle dit que c'est le monsieur là que j'avais vu ici là. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc ce matin, avant de venir ici, elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, j'ai fini avec mon cahier de brisement de liens. J'ai dit, non, tu vas retrouver l'autre pasteur à l'assemblée, puis tu vas lui donner le cahier. Donc je veux dire que c'est effectivement vrai que quand on prêche l'évangile, Dieu lui-même travaille. Gloire à Dieu. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'abandonne la paresse. Abandonne laziness. J'abandonne la paresse. Abandonne laziness. Et écris ça dans ton cahier. Write it down in your book. La paresse est un ennemi. Laziness is an enemy. Dieu travaille tous les jours. God works every day. Et Jésus travaillait tous les jours. And Jesus worked every day. Il disait, mon père travaille, c'est pourquoi je travaille. He said, my father is at work, that is why I too am at work. Nous avons un trésor en nous. We have a treasure in us. Mais la paresse. But laziness. Quand le frère Zach enseignait sur les dons spirituels. When Brother Zach taught on spiritual gifts. Il disait ceci. This is what he used to say. Les dons, gifts et les talents, and talents, sans travail dur, without hard work, sont enterrés, are buried. Quel que soit les dons que Dieu t'a donné, whatever the gift that God has given you, quand tu sombres dans la paresse, if you live in laziness, tous ces dons sont enterrés. All these gifts are buried. La paresse enterre les dons spirituels et les talents. Laziness buries spiritual gifts. Quand tu travailles, when you work, tu te retrouves dans des situations où la foi se manifeste et tu grandis. When you work, you find yourself in places where faith is manifested and then you grow. Oui. Oui. Oui, oui. Si tu n'imposes pas les mains sur quelqu'un, comment sauras-tu que tu as le don de guérison? If you don't lay your hands on someone to pray, how would you know that you have the gift of healing? Satan est vaincu. Satan is overcome. Gloire à Dieu. Je suis le frère Keke André Michel de la zone de Yopougon. Je suis le responsable de la jeunesse à Yopougon. Le pasteur Lombi Noussan est mon frère disciple. Et je voulais également témoigner. Il y a une année, j'adorais à Yopougon au quartier millionnaire. Et puis, j'avais pris l'engagement de prêcher l'évangile à au moins une âme, une nouvelle âme chaque jour. Ça, c'est l'engagement que j'avais pris avec Dieu. Donc, je vendais les livres chrétiens et puis je prêchais l'évangile à au moins une âme chaque jour. Et quand j'ai commencé, il y a une situation qui est arrivée qui m'a fortifié. Je suis allé vendre les livres et prêcher l'évangile dans une maison. Quand j'ai tapé, c'est une dame qui a ouvert. Je me suis présenté et elle aussi, elle s'est présentée comme appartenant à l'église des Assemblées de Dieu. Et là, ça m'avait un peu déboussolé parce que j'ai dit, bon, si elle était catholique, on pouvait bombarder, mais là, elle est dans une église évangélique. Bon, je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait lui annoncer. Ben, je me disais qu'on est pratiquement les mêmes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai présenté les livres que je vendais, j'ai rendu mon témoignage de conversion, et puis je suis parti. Je n'ai pas fait autre chose. Deux jours après, quelqu'un m'appelle au téléphone, et elle me dit, je suis Madame Ziraga, tu es venu me vendre les livres chrétiens, tu m'as prêché l'évangile, j'habite ici, et je me suis rappelé que vraiment, viens, je veux te voir.
Là, je suis reparti. Quand je me suis assis, elle me dit, quand tu m'as quitté, je suis allé dormir. Dans mon sommeil, Dieu m'a dit, le jeune homme qui est venu là, il faut le rappeler. Non, c'est pourquoi il t'appelle. Frère, là maintenant, j'étais à l'aise. Alléluia. J'ai déposé la flamme. Alléluia. Et ce jour-là, son mari était là. Il est professeur d'allemand d'un collège de Yopougon. Quand j'ai fini de prêcher, la femme m'a dit qu'en fait, avant, elle priait pour que sa vie soit débloquée parce qu'il y a des problèmes de finances, tout ça. Mais quand elle prie pour que Dieu débloque sa vie, les rêves qu'elle fait, elle fait les rêves où Dieu lui montre les péchés qu'elle commettait quand elle était encore petite. Elle ne savait pas. En fait, Dieu voulait qu'elle se répande, qu'elle fasse la vraie repentance. Et quand j'ai fini de prêcher l'évangile, son mari m'a posé une question. Frère, je vous dis, pendant qu'il posait la question, je n'avais pas la réponse. Parce qu'ils vont à l'église, une question dans la Bible. Mais quand il a fini de parler, quand j'ai pris la parole, j'ai expérimenté ce que le Saint-Esprit dit souvent, que ne vous inquiétez de rien parce que à l'heure même, la parole sera dans votre bouche. Alléluia. Frère, quand j'ai commencé à parler, la réponse est sortie et moi-même, j'étais enseigné. Quand j'ai fini, il m'a dit, je dirige une cellule dans mon école. Viens, tu vas prêcher là-bas. Alléluia. Et ça m'a fortifié. Et une autre chose, c'est que nous étions allés au Cameroun, je ne sais plus en quelle année, avec le pasteur Louis au camp biblique. Et au retour dans l'avion, parce qu'il y a un témoignage des frères de, je pense, Douala, qui m'avait béni. Les frères, il paraît que quand on a fini le camp, ils allaient en car à Douala. Et puis le car est tombé en panne près d'un village. Donc ils avaient un bon moment pour réparer le car. Les frères sont prêts, les Bibles sont entrés dans le village. Ils ont prêché l'évangile, baptisé les âmes, implanté une assemblée, et puis le cas est réparé, ils sont partis. Jésus-Christ. Frère, quand j'écoutais ça, j'étais mélangé. Donc dans l'avion, j'étais assis dans l'avion, et puis il y a une dame qui était près de moi. Donc j'ai dit, mais celle-là, je dois lui prêcher également l'évangile. Donc, mais frère, c'était ma première fois à l'avion. Tu as prêché l'évangile dans l'avion, bon. Donc je ne sais pas comment il fallait faire. Donc j'étais assis là, je priais juste Dieu qu'il ouvre les portes pour que la communication vienne. Et la dame, je la voyais regarder par les hublots, la fenêtre là. Elle regardait les nuages. Et puis un coup, elle s'est tournée vers moi. Elle me dit, tu vois comme c'est beau, avec ça, les gens disent que Dieu n'existe pas. Alléluia. Frère, j'ai saisi ça. Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alléluia. Il dit... Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. It says the athlete who wants to win the prize must run according to the rules. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. And the hard-working farmer must first of all work before he gets his share of the crops. Qu'est-ce que ça veut dire? What does this mean? Il y a des règles divines. There are divine rules. Qu'il faut observer. That you must observe. Il y a des choses que Dieu nous a révélées si nous voulons que le message soit puissant. The things that we must do which we want that the message should be powerful. Il y a des règles. There are rules. Il y a des prières. There are prayers. Il y a un type de prière même qu'il faut élever à Dieu. There is a kind of prayer that we must raise to God. La première chose. The first thing. Nous devons savoir que Dieu a condamné le monde. We must know that God has condemned the world. Et Dieu a renfermé toute l'humanité dans le péché. And God has closed every human being in sin. Parce que l'homme a péché. Because man sinned. Et Dieu a décidé. And God decided. Que c'est par la foi. That it is by faith. En son fils Jésus. In his son Jesus. Qu'on obtiendra le salut. That would obtain salvation. Donc quand nous allons évangéliser. So when we go out to evangelize. Nous sommes en train d'aller à la rencontre des hommes que Dieu a frappés d'aveuglement, de surdité spirituelle. We are going to meet men that God has stricken with blindness and spiritual deafness.
Alléluia. Alléluia. Il a détruit la sagesse des sages. He has destroyed the wisdom of the wise. Et l'intelligence des intelligents. And the knowledge of those who are intelligent. C'est-à-dire que Dieu a refusé que l'homme le connaisse par sa réflexion. It means that God has decided, has blocked the way for man to know him through his reasoning. Donc, l'un de nos grands sujets de prière. So one of our greatest prayer topics. C'est Seigneur. Is Lord. Tu as dit à travers le prophète Isaïe. You said through the prophet Isaiah. Ferme les yeux, bouche les oreilles. Close their eyes, block their ears. Tu dis à Dieu. You tell God. Et ta parole s'est accomplie. And your word has been accomplished. Les gens sont aveuglés. People have been made blind. Ils sont sourds. They are deaf. Ils n'entendent rien. They hear nothing. Quand nous parlons, ça when entre speak, ici, ça sort de l'autre côté. It gets in from this ear and goes out through the other. Ordonne maintenant. Lord, command now. Que leurs oreilles s'ouvrent. That their ears be open. Parce que je veux parler de toi. Because I want to speak of you. Si tu pries comme ça. If you pray that way. Il y aura, tu vas sauver même les gens que Dieu avait maudits, que celui-ci est maudit, je ne veux plus me révéler à lui. You will save even those that God had cursed, that this one is cursed, I will no longer reveal myself to him. Tu dis à Dieu, je sais. You tell God, I know. Tu as fermé les oreilles. That you closed their ears. Que tu as fermé les yeux. And you closed their eyes. Mais tu m'envoies. But you are sending me. Pour annoncer la parole. To announce your word. Ouvre les oreilles. Open their ears. Ouvre les yeux. Open their eyes. Tu intercèdes. You intercede. Tu intercèdes. You intercede. Tu sors. And you go out. Tu prêches. And you preach. Tu verras la différence. And you see the difference. C'est-à-dire Dieu va te livrer les gens endurcis. You see how God will give up hardened men to you. Des gens qui vont te rendre témoignage qu'ils n'ont jamais écouté quelqu'un. People will render testimonies to you that they never heard, they never listened to someone. Parce que Dieu t'a exaucé. Because God has answered you. Il a ouvert leurs oreilles. He has opened their ears. Il a déchiré le voile. He has torn the veil. Quand tu lis le verset, when you read the verse, ils comprennent. He understands. Alors que des multitudes sont passées avec le même verset et n'ont rien compris. Whereas multitudes have gone by with the same verse and they understood nothing. Ne regarde pas quelqu'un, tu te dis il est gentil, il va vite croire. Non. Don't look at someone and say, well, he's a nice person, he will believe easily. Négocie toutes les conversions devant Dieu. Negotiate every conversion before God. Alléluia. Alléluia. Lis pour nous 2 Timothée 3 versets 15 et 17. Read for us 2 Timothy chapter 3 from verse 15 to 17. Quand tu dois aller conquérir. He says that the athlete does not win the prize if he does not run according to the rules. When you are going out to conquer, sois vainqueur de tous les péchés qui gardent les gens captifs. Be a conqueror over every sin that keeps people captive. Si les gens boivent et tu bois, tu ne peux pas les gagner à Christ. If people drink and you drink as well, you cannot win them to Christ. Ne dis pas que la Bible dit si tu manges la viande et si c'est une occasion de chute, tu ne manges plus la viande. Donc, je vais aller boire à minuit où il n'y a aucun frère. Don't tell yourself that the Bible says that if you eat meat and it makes someone to sin, don't eat it. So you say you are going to drink at midnight where there's no brother so that no one will see you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?
Il faut que tu pratiques ce que tu enseignes. You must practice that which you teach. Tu t'es repenti avec des restitutions. Prêche aussi la repentance avec des restitutions. You repented with restitution. You should also preach repentance with restitution. Tu auras les résultats. And you have results. Oui, lis. 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Lis Tite 1, versets 5 à 11. Tite 1, 5 à 11. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. Alléluia. Ces deux versets veulent dire qu'il faut s'attacher à la vraie parole. These two passages are saying that one must attach himself to the true word. Quand tu prêches l'évangile, when you preach the gospel, il faut clairement annoncer la parole. You must announce the word clearly. Ne falsifie pas la parole. Do not falsify the word. Ne la modifie pas. Do not modify it. N'aie pas peur. Do not be de afraid. De la proclamer. To proclaim it. Ne dis pas que si je prêche la repentance, les gens vont quitter l'église. Do not say if I preach repentance, people will leave the church. Les gens cherchent la vérité. People are looking for the truth. Même dans cette salle, even in this hall, il y a des gens qui cherchent la vérité. There are people who are looking for the truth. Pendant que je parle, ils écoutent, ils discernent. And while I'm speaking, they are listening and they are discerning. Alléluia. Alléluia. Et quand tu prêches l'évangile, and when you preach the gospel, tu dois maîtriser la parole. You must master the word. Pour fermer la bouche de ceux qui ne sont pas croyants, mais qui égarent les hommes. To close the mouths of those who are not believers, but who lead others astray. Ils ont un raisonnement charnel. They have a carnal way of reasoning. Et ils égarent les hommes. And they lead men astray. Nous étions à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. We are the borders between Côte d'Ivoire and Ghana. Un policier nous dit, a police officer told us, lui, il aime les femmes. That he loves women. Il aime faire du bien aux femmes. He loves to do good to women. Il dit, bon, si on ne commet pas l'adultère, comment on va leur faire du bien? He says, but if we don't commit adultery, how are we going to do good to them? Je lui dis, tu vois, pour prouver que tu aimes les femmes, tu leur donnes l'argent sans coucher avec elles. I told him that to show that you love women and you want to help them, give them money without sleeping with them.
Mais avant ça, il croyait qu'il avait un argument solide. But before then, he thought that he had a solid argument. Comment il va aider les femmes? How is he going to help women? On lui dit de laisser l'adultère. Comment il va aider les femmes? You ask him to leave adultery. How is he going to help women? Vous voyez l'insensé. You see the reasoning of the unwise. Tu aimes les femmes, donne-leur l'argent gratuitement. You love women, give them money free of charge. Donc il y a des gens de cette espèce, il faut fermer leur bouche. So there are people of this species which whose mouths should be closed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un autre monsieur m'avait posé la question. Another man asked me a question. Si Dieu condamne l'adultère, comment on aura les enfants? If God condemns adultery, how are we going to have children? Tu sais qu'il a dit ça à combien de personnes depuis sa naissance? How many people has he said this to since he was born? Peut-être qu'il a même trompé certaines femmes avec. Maybe he has even deceived some women with it. Je lui ai dit, mon ami. I told him, my friend. Je vais t'expliquer. I'll explain to you. Dieu a créé la sexualité. C'est lui-même qui a créé. That it is God himself who created sexuality. Il a dit qu'il faut se marier. And he said one should get married. Pour avoir des rapports sexuels avec ta femme. To have sexual intercourse with your wife. Quand deux personnes ne sont pas mariées. When two people are not married. S'ils entretiennent des rapports sexuels, on appelle ça la fornication. If they have sexual intercourse, it is called fornication. Si les deux sont mariés, if both are married, c'est l'adultère. It's adultery. Si un des deux est marié, c'est l'adultère. If one of the two is married, it's adultery. Il est désarmé. He was disarmed. Mais si tu n'es pas là, il va dire ça à tout le monde. But if you are not there, he will say this to everyone. Qu'il y a la contradiction dans la Bible. That there is a contradiction in the Bible. Dieu dit soyez féconds et puis Dieu punit le péché. Il n'appelle même pas ça le péché. Que quand on va être fécond, il punit. He will say, God says that we should be fruitful, and when we want to be fruitful, he punishes. Certains sont dans les sectes. Some are in sects. Ils disent que Dieu est partout, sur un oiseau, l'arbre, le fou, tout ce que tu rencontres, Dieu est dedans. And they say God is in everything, in the tree, in the birds. Certaines sœurs m'ont rendu témoignage que les prophètes. Non, une sœur m'a rendu témoignage qu'un prophète lui a dit que le mari de nuit là, c'est le sauveur, il ne faut pas le chasser. A sister told me that one prophet told her that spirit husband is a savior. Do not cast him away. Il dit, il faut demeurer dans les saintes écritures. He says you should abide in the holy scriptures. La parole permet de corriger, d'édifier, d'enseigner. A word that is able to correct, to lead and to censurer, teach, to rebuke. Alléluia. Alléluia. Il faut que celui qui enseigne soit sobre, correct, droit. The one who teaches must be sober, correct, and right. Frère, que personne ne te trompe. Brother, let no one deceive you. Le témoignage, testimony, est une puissance. It's a power. Même dans le monde. Even in the world. Vous voyez les candidats à la présidence. You see candidates for the presidency. Dans les pays développés. In developed world. Dès qu'on sort ton témoignage, tu tombes. As soon as your testimony, your background is brought up, you fall. Même dans le monde. Even in the world. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu es tenté, résiste. When you are tempted, resist. Tu travailles ton message. Tu es déjà sauvé. Tu te mets travailler ton message. You work on your message. You are already saved, but you should work on your message. Chaque résistance au péché développe ton témoignage. Every resistance to sin develops your testimony. La prédication est efficace quand elle est fondée sur la parole de vérité.
proclamer sans erreur, sans falsification. You see, the preaching of the gospel is powerful when it is proclaimed, when it is founded on the word of God, in truth and without error or falsification. La prédication est efficace quand elle est fondée sur la parole de vérité, proclamée sans erreur, sans falsification. The preaching of the gospel is efficient when it is founded on the word of truth, proclaimed without error and without falsification. Les anecdotes et les fables ne peuvent pas conduire durablement les âmes à la liberté. Anecdotes and fables cannot lead people in a sustainable way to freedom. Dans les techniques de rédaction des sermons, in the techniques of the writing of the sermons, on recommande des illustrations, des anecdotes. We recommend illustrations and anecdotes. Mais ne fais pas un fleuve d'anecdotes. But don't make a sea of anecdotes. Ça ne peut pas convertir les gens durablement. It cannot convert people in a sustained way. N'exagère pas dans les anecdotes. Do not exaggerate in your stories. Un frère prêchait. A brother was preaching. L'anecdote qu'il avait imaginée a rivalisé en temps avec le message. Quelqu'un recommandait que si tu as même d'anecdotes ou d'exemples, prends-les dans le ministère. Pour ceux qui ont lu beaucoup le frère Zach, il dit, j'ai parlé à une femme, j'ai parlé à un homme. C'est-à-dire, dans ton ministère, tu tires des exemples, c'est bon. Someone said that when you want to choose anecdotes to support your message, you should take them from the ministry, that is from your personal ministry. When you see how Brother Zach used to teach, he would say, for example, I was talking to a lady. It comes from his ministry. Là, tu vas commettre très peu d'erreurs. There you would make very few errors. Donc les anecdotes et les fables ne peuvent pas conduire durablement les âmes à la liberté, c'est-à-dire au salut et à la délivrance. So anecdotes and fables cannot lead people in a sustainable way to freedom, that is to say, to salvation and deliverance. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui veulent travailler dans la proclamation de l'évangile, all those who want to work in the proclamation of the gospel, doivent tout faire pour s'inscrire à l'école de la prière et de l'intercession. Must do all to be registered in the school of prayer and intercession. Tu soulignes ça. You should underline that. Tous ceux qui veulent travailler dans la proclamation de l'évangile, all those who want to work in the proclamation of the gospel, doivent tout faire pour s'inscrire à l'école de la prière et de l'intercession. Must do all to be registered in the school of prayer and intercession. Les apôtres ont commencé leur ministère par une retraite de prière. The apostles began their ministry by a prayer retreat. Lis pour nous Actes chapitre 1, versets 12, 13 et 14. Read for us Acts chapter 1, verse 12, 13 and 14. Alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Donc, il faut être des hommes et des femmes de prière. So, we must be men and women of prayer. Surtout les prières de l'assemblée. Above all, the prayer meetings of prayers of the assembly. Les gens peuvent avoir des vies de prière individuelles. People can have individual prayer lives.
mais les prières collectives. But collective prayer, en vue du gagnement des âmes. With the goal of soul winning, ou en vue de l'ouverture des portes fermées. Or with the goal of opening closed doors. C'est une prière que le dirigeant doit conduire. It's prayer that the leader must lead. La personne qui porte la vision dans la localité doit porter ces prières-là. The person who carries the vision in that locality must carry that prayer. Les autres ministères de la prière, the other prayer ministries, doivent développer les grandes prières que le dirigeant a proclamées avec l'Église. Must develop from the great prayer ministry that the leader has declared for the church. Et quand on prie, and when we pray, c'est comme une séance de travail. It's like a working session. On corrige certaines choses. Certain things are corrected. On répond à certaines questions doctrinales. Some doctrinal questions are answered. C'est pendant ces prières-là qu'on a remplacé Judas. It is during that prayer session that Judas was replaced. Dans une rencontre de prière. During a prayer meeting. Ils ont marqué une pause pour trouver le successeur de Judas. They took a break to look for the successor to Judas. C'est pour cette raison que nous enseignons souvent que la prière est une séance de travail. That's why we usually say prayer is a working session. Lis pour nous Acte 1 verset 15 à 26. Read for us Acts chapter 1 from verse 15 to 26. C'est pour cette raison que les rencontres de prière sont souvent très édifiantes. That's why prayer meetings are usually very edifying. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était juste pour montrer que pendant la prière, ils ont résolu un problème qui se posait à eux, la succession de Judas. This was just to show that during prayer, they had a break and they resolved the problem which was facing them. That is the succession of Judas. Il y a notre passage dans Acte 4, verset 23 à 31, qui montre que quand ils étaient persécutés, ils ont rendu compte à une réunion de prière et ils ont prié et Dieu a exaucé. There's another passage in Acts chapter 4, verse 23 to 31, which shows that when they were persecuted, they gave an account in the prayer meeting and they prayed together. Vous notez, c'est dans les rencontres de prière que les disciples rendent compte de ce qui s'est passé au cours d'une évangélisation. You note that it is during a prayer meeting that the disciples give an account of what happened during evangelism. Ce compte rendu a permis aux disciples de prier ensemble d'un commun accord et d'obtenir miséricorde. This account has permitted disciples to pray together and to have mercy. Quand il y a une rencontre de prière, when there's a prayer meeting,
Tu lèves ta main, tu dis, quand nous sommes sortis, on nous a maudits. You raise your hand and you say, when we went out, they cursed us. Et on a menacé. And they threatened us. Et si nous voyons encore, ils vont prendre les machettes. That if they see us again, they will take machettes. Vous priez. You pray. Vous détruisez cela. And you destroy it. Et vous dites amen. And you say amen. Et la vie continue. And life continues. S'il n'y a pas ça, chacun va porter les difficultés sur sa petite tête. If this is absent, each one will carry his difficulties on his little head. La conquête est collective. Conquest is collective. La réponse aux menaces doit être une réponse collective. The response to threats must be collective. Les prières prayers doivent être collectives. Must be collective. Ils ont crié. They cried out. Ils ont demandé davantage de l'assurance. And they asked for more assurance. Et Dieu leur a donné. And God gave it to them. Et ils étaient fortifiés. And they were strengthened. Lis pour nous Acte 18. Read for us Acts chapter 18. Verset 9 et 10. Verse 9 and 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. One night, the Lord spoke to Paul in a vision. Do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in this city. Amen. Hallelujah. Hallelujah. C'est un aspect de la vérité qui dit que Dieu travaille avec nous. This is an aspect of the truth that shows that God works with us. Paul avait été menacé. Paul was threatened. Et le Seigneur est venu le fortifier en vision. And the Lord came to strengthen him in a vision. En lui disant. And he told him. Parle. Speak. Ne te tais point. Do not keep quiet. Alléluia. Hallelujah. Il dit ne crains point. He says do not be afraid. Mais parle, ne te tais point. But speak, do not car keep quiet. Car je suis avec toi. Because I'm with you. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. And no one will lay a hand on you to attack you. Nous ne sommes pas seuls. We are not alone. Même si tu es dans un village. Even if you are in a village. Humainement, tu penses que tu es seul. Humanly speaking, you think mais that you are alone. Dit, but the Lord says, parle. Speak. Aucun sorcier ne peut rien contre toi. No witch can do anything against you. Aucun franc-maçon, aucun résurrecticien. No Freemason, no resurrection. Aucun sorcier. No witch or wizard. Aucun homme pervers. No perverse man. La main de Dieu est sur chacun de nous. The hand of God is on each of us. Tout ce qu'il nous demande, all that he's asking from us, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Is to open our mouths to speak. Pour gagner les âmes, to win souls, on marche, we walk, et on parle, and we speak. C'est-à-dire on bouge, we move, et on parle, and we speak. Ne te tiens pas quelque part pendant des années. Do not stand somewhere for years. Bouge, bouge. Move, move. Même si tu as gagné beaucoup d'âmes. Even if you have won many souls. Laisse une assemblée. Leave an assembly. Nomme les dirigeants. Appoint leaders. Et bouge. And bouge, move. Bouge. Move. Et parle. Speak. Parle. Speak. Selon ce verset. According to this verse, c'est la crainte qui peut fermer ta bouche. It is fear that can close one's mouth. Et frère, je suis en train de faire une étude sur les péchés qui sont liés aux sentiments, aux émotions. But I'm doing a study on sins that are tied to sentiments and emotions. Comme l'angoisse, la peur, la frayeur. Like anguish, l'effroi. Pain, fright. Tu peux marcher pensant que tu es dans la victoire. You can walk around thinking that you are walking in victory. Si quelqu'un sort le pistolet. If someone takes off the gun. Tu dis non, je ne connais pas ça. Ce n'est pas moi. You say no, I don't know. I'm not donc, the one. Après, tu deviens malheureux. After that, you become unhappy.
Quand tu as peur, when you are afraid, tu peux voler, tu peux mentir, tu peux tuer, tu peux commettre tous les péchés quand tu crains, quand tu as peur, quand tu es angoissé. You can steal, you can kill, you can commit every kind of sin when you are afraid, when you are in fright. Si quelqu'un, when someone makes like this, tu dis pardonner. You say, I'm sorry. Donc quand le Seigneur dit ne crains point, when the Lord says do not be afraid, ça veut dire que quoi? What does it mean? Sois courageux. It means that you should be courageous. Que personne ne cède pas aux menaces. Do not yield to threats. Il y a des sentiments qu'il ne faut pas entretenir. Ça va, tu vas pécher quand tu ne sais pas que tu vas pécher. There are feelings that you should not keep because you sin when you don't even know when you have sinned. Hey! Hey! Tu dis non, ce n'est pas moi. You say no, I'm not the one. Après tu dis pardonne-moi, c'est moi. And after you say forgive me, it's me. Alléluia. Alléluia. Ne crains point. Never be afraid. N'entretiens pas l'angoisse. Do not keep anguish. La frayeur. Fright. Le froid. Coldness. La première chose, si ces sentiments sont en toi, c'est tu deviens muet. The first thing, bouche clouée. The first thing is that when these feelings are in you, you close your mouth, you become deaf. You become dumb. Pierre a promis à Jésus qu'il allait le suivre jusqu'à la mort. Peter promised to Jesus that he will follow him until death. Quand on a dit tu étais avec lui. When they said you everything. He said no. Après il a pleuré. And afterwards he started crying. Alléluia. Alléluia. Si tu entres dans une famille, if you get into a family, si tu gagnes une âme dans une famille, if you win a soul in a family, vise toute la famille. You should target the entire family. Si Dieu t'a fait entrer, if God got you in, demeure-y et plante une assemblée. Stay there and plant an assembly. Si tu gagnes une âme dans un village, if you win a soul in a village, implante-y une assemblée. Plant an assembly there. C'est ça les vainqueurs. Those are the overcomers. Ils ne font pas à moitié. They don't work. They don't do it halfway. Même si tu gagnes un enfant, even if you win a child, vise le père et la mère. You should target the father and the mother. Vise le père et la mère. Target his father and mother. D'une manière ouverte. In an open way. Dis à ton père qu'il reste toi. Et madame. Tell the father that well, you are the one remaining. Que Dieu a dit que si mon pied se pose quelque part, il me donne. Mon pied s'est posé ici. Tell them that God told me that if I lay my feet somewhere, he gives it to me and my feet have entered here. Quand j'entre dans une maison pour la première fois, c'est ce que je proclame, mais pas à haute voix. When I get into a house, pose mon pied ici, au nom de Jésus-Christ. For the first time, that's what I do. I say, I place my feet here in the name of Jesus. Donc les gens t'entendent dire quelque chose, ils ne savent pas que tu es en train d'implanter l'œuvre de Dieu. People hear you saying things and they don't know that you are planting God's work. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu gagnes le père, gagnes la femme et les enfants. You win the father, you should win the mother and the children. Tu fais le brisement des liens du père et la mère, programme pour les enfants, tous les enfants. If you carry out the breaking of ties for the father and the mother, you should program for the children as well. Si tu entres par madame, prends le mari et les enfants. If you get in through the wife, you should take the husband and the children.
Et prenez ça au sérieux. C'est ce que le Saint-Esprit m'enseignait pendant que je préparais ce message. Take this seriously. This is what the Holy Spirit was teaching me while I was preparing this message. Je n'ai même jamais dit ça. I've never said this. Où nous sommes rentrés et nous avons gagné une âme, un disciple, et nous peinons à implanter l'assemblée. Que cet enseignement devienne vie pour nous et que nous y implantons une assemblée vivante pour toi. Toutes les familles où nous sommes rentrés pour gagner une âme, donne-nous de viser tous les membres de la famille pour implanter une assemblée, Seigneur. Partout nous sommes rentrés, si c'est par les enfants, permet que la mère, le père soient gagnés à toi. Si c'est par la femme, conduis-nous à gagner le père et les enfants. Si c'est par le père, que la mère et les enfants soient pour toi. Nous prions que cet enseignement soit vécu, pratiqué par nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton conseil. Merci pour ton conseil, Seigneur, qui est le meilleur. Nous saisissons, Seigneur, ce conseil ce matin. Seigneur, partout où nous gagnerons une âme, Seigneur, nous allons prendre tout le monde. Seigneur, si c'est dans un village, le village sera implanté. Si c'est dans une famille, Seigneur, la famille sera implantée. Il y aura les maisons, les assemblées dans les maisons, dans les villages, partout, Seigneur. C'est un conseil. Seigneur, tu es le véritable conseiller. Merci beaucoup. Nous allons mettre cela en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a les vertus. There are virtues. Qu'il faut absolument rechercher. That you must absolutely look out for, look for. Il y a le courage. There's courage. Vous notez que le courage, excusez-moi, le courage est une vertu qui consiste à se montrer fort. Note that courage is a virtue which consists in showing oneself to be strong. À l'approche du danger. At the approach of danger. À l'approche des souffrances. The approach of suffering. Ou des difficultés. Or difficulties. Tu décides volontairement. You decide voluntarily. Que devant les circonstances difficiles. That before difficult circumstances, you confront it without fear. Quand Paul demande les prières pour lui-même, when Paul asks for prayers for him, il demande qu'on prie qu'il soit courageux. He asks that they should pray for him to be courageous. Qu'il prêche avec hardiesse. That he should preach with boldness. Alléluia. Hallelujah. Vous notez, Dieu prend soin de ses enfants. Note down, God takes care of his children. Il les soutient dans les batailles. He supports them in battle. Dieu prend soin de ses enfants et les soutient dans les batailles d'une manière ou d'une autre. God takes care of his children and he backs them in battle in one way or another. Et il le fait d'une façon infaillible. And he does it unfailingly. Tous les enfants de Dieu encouragés à son service. All children of God encouraged to his service. Tous les enfants de Dieu encouragés à son service. For all children of God who have been encouraged to his service. Le courage n'est pas une simple disposition morale. Courage is not a simple moral disposition. Ou alors une simple disposition mentale comme les stoïciens. Or a simple mental disposition like the Stoics. Le courage est plus profond pour nous qu'il ne l'est pour les païens. Courage is deeper for us than it is for pagans. Le courage est la puissance. Courage est la puissante manifestation de la vie. Courage is the powerful manifestation of life. De la vie et la foi en Christ. And faith of life and faith in Christ. Donc quand Dieu dit à Josué par exemple, prends courage. When God tells Joshua for example, be courageous. Ce n'est pas seulement une armure mentale. It's not only a mental awakening.
c'est qu'il se prépare à faire expérimenter à Josué la puissance de Dieu. Is that he's preparing himself to make Joshua to experience the power of God. Quand tu crois à l'œuvre de Jésus, when you believe in the work of Jesus, quand tu crois à la parole de Jésus, when you believe in the word of Jesus, quand tu crois aux promesses de Dieu, when you believe in God's promises, ça te donne le courage. It gives you courage. Vous voyez la différence avec le courage des païens. You see the difference between this and the courage of the pagans? Les frères qui tremblent devant les démons. Brethren who tremble before demons. Ils ne s'appuient pas sur l'œuvre de Jésus. They don't lay hold on the work of Jesus. Quelqu'un dit au démon que tu as commis ta dernière erreur. Ça, il fallait pas. Tu es un démon, c'est vrai. Tu fais des mauvaises choses, mais il ne fallait pas en ajouter en disant que tu ne connais pas Jésus. Someone told a demon that you have made your last error. You certainly you are a demon. You have done evil things, but you should not have added to that the fact that you don't know Jesus. Et le démon est parti. And the demon went away. Donc on dit, pour les enfants de Dieu, so we say for the children of God, encouragés à son service, encouraged into his service, le courage n'est pas une simple disposition mentale à la manière des mandats des stoïciens, par exemple. Courage is not a simple mental disposition in the way the Stoics think about it. Le courage est une puissante manifestation de la foi en Jésus-Christ. Courage is a powerful manifestation of faith in the Lord Jesus Christ. La foi à son œuvre. Faith in his work. L'œuvre accomplie par sa vie. The work that was accomplished. Le don de sa personne. By the giving of himself. Sa mort à la croix. His death on the cross. Sa résurrection. His resurrection. Les desseins de Dieu. God's purposes. Et toutes les promesses de Dieu qui nous sont révélées. And all of God's promises that have tout been revealed to us. Doit habiter. All of this must dwell quand in you. Tu dis, je ne crains rien. You say, I fear nothing. Il y a un chant qui dit, oh, est-ce que vous... Oui, moi je sais en qui j'ai cru, car lui je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin. Et toi, vous allez nous chanter ça au prochain camp. You sing that to us in the next camp. Say, I know in whom I've believed. Oui, je sais en qui j'ai cru. I know in whom I've believed. Je sais en qui j'ai cru. I know in whom I've believed. Je sais comment il est mort. I know how he died. Je sais comment il est ressuscité. I know how he resurrected. Je connais ses promesses à l'église. I know his promises to je the church. Je connais sa volonté. And I know his will. Je ne crains rien. I fear nothing. Alors quand on voit un petit qui se tient là comme ça, on se dit, mais il compte sur quoi? When they see a little man standing there like that, you know what il he's counting on? Il compte sur Jésus-Christ. He's counting on Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ceux qui sont dans le ministère de délivrance là, si vous ne sanctifiez pas Jésus, démissionnez. All those who are not, all those who are in the ministry of deliverance, if you don't sanctify Jesus, you should resign. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tu dois croire à l'œuvre de Jésus. You must believe in the work of Jesus. C'est ça qui donne le courage qui vient du ciel. That is what gives the courage that comes from heaven. Si tu cherchais le responsable de l'équipe de ta délivrance, il y aura un moment où Dieu va faire qu'il ne soit pas là. If you are looking for the head of the deliverance team, tu cherches l'argent n'est pas là. You remember when you're not there, you look for joy will not be there. Je vous ai dit hier qu'un frère pose les mains sur sa tête et dit, démon, sors! Et le démon, il sort. I told you yesterday that a brother laid his hand on his head and said, demon, out! And the demon shook and went out. Ce sont des témoignages, des témoignages. Those are testimonies. Qui était avec nous en Zambie? Non, en Gambie, pardon. Who was with us in the Gambia? Le frère
Je prêchais quand j'ai rendu témoignage d'un frère qui avait mangé le pain avant de chasser le démon. Le frère m'a levé la main que lui-même était dans l'équipe ce jour-là. I preached and I talked about a brother who ate bread before casting out demons. And Brother Nzima said that he was in the team on that day. Un démon méprisait les frères, les insultait comme quelqu'un a dit tout à l'heure. A demon was despising the brethren and insulting them as a brother said a while ago. Et ils les jugeaient. And they were judging him. Dès qu'il te juge, tu fuis. So a judge and he flees. Donc un autre frère s'est approché. So a brother came by. Le démon lui dit que toi, il n'a même pas gêné, il est glouton. Il dit que ah bon, tu crois que je vais te chasser avec ma puissance? Ok, attends. And the brother, the demon said, you have not even fasted, you are coming. And the brother told the demon, you think that I'm going to cast il you out of my power? Il a donné l'argent. Ça c'est l'histoire vraie, c'est pas une anecdote. It's a true story. He gave il money. Il a donné l'argent qu'on lui achète un pain. A acheté un pain et une sardine. He sent money and they bought him bread and sardine. Il a mangé. He ate it. Il s'est levé. And he got up. Il dit démon. He said demon. Sors. Out. Le démon est parti. And the demon went away. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Frère, quand on dit Jésus a vaincu c'est vrai. When we say Jesus has overcome the devil, c'est l'évangile qui retarde les choses. Sinon, tous seraient déjà dans le lac de feu. It is the gospel that is delaying things. If not, all of them would have been already in the lake of fire. C'est pour cette raison qu'il faut vite prêcher. That's why we must preach. La fin approche. Because the end is near. La fin approche. The end is near. Tout ce que nous voyons là. All that which you see. Va passer comme le vent. Will pass away like the wind. Comme un fracas, comme dit l'apôtre Pierre. Avec fracas. With they will spread around. Hallelujah. Hallelujah. Donc le courage ici, c'est pas comme les gens qui disent supporte, c'est comme ça tous les hommes, non. So courage here is not like with people say bear everybody, bear with everyone. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est aussi la foi au Seigneur Jésus. Tel que l'auteur de l'épître aux Romains nous exhorte à croire. Dis pour nous Romains chapitre 8 verset 34. It is also faith in the Lord Jesus Christ as the writer of the epistle to the Romans exhorts us to believe. We read Romans chapter 8 verse 34. Qui le condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Who is that? Who is he that condemns? Christ Jesus, who died. More than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is interceding for us. Amen. Il faut méditer sur ce passage. You should meditate on this passage. Qui peut nous condamner? Who can condemn us? Christ est mort. Il a payé tout le prix. Christ died and he paid the whole price. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. He did not only die, but he resurrected. Et il est à la droite de Dieu. And he's at the right hand of God. Et qu'est-ce qu'il fait? And what is he doing? Il intercède pour nous. He's interceding for us. Ça suffit pour que tu marches tête haute. This is enough for you to walk head high. Sans crainte. Without fear. Vous savez, quand un enfant de Dieu tombe dans un péché, you know, when a child of God falls into a sin, s'il doit se repentir, if he must repent, il faut qu'il fasse tout. He must do all pour que sa repentance soit basée sur la crainte de Dieu. For his repentance to be based on the fear of God. Si quelqu'un dans cette salle qui n'a pas encore reçu Jésus, there's someone in this hall who has not received Jesus. Si tu veux le recevoir aujourd'hui, if you want to receive him today, il faut que ce soit parce que tu crains Dieu. It should be because you fear God. Ne donne jamais ta vie à Jésus parce que tu crains le diable. You should never give your life to Jesus because you fear the devil. Donne ta vie à Jésus parce que Jésus est ton roi, il est le Seigneur. Give your life to Jesus because Jesus is your king and is your Lord. Donne ta vie parce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Give your life to him because you believe that he is the Son of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together?
Quand quelqu'un se repent parce qu'il ne veut pas être oppressé dans les songes, when someone repents, c'est une mauvaise sainteté. When someone repents because he does not want to be oppressed in his dreams, that is bad holiness. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jésus intercède pour nous. Jesus intercedes for us. Il dit à Dieu, sois patient. He tells God, be patient. Ils sont en train de te chercher. They are seeking you. Je me révèle à eux. I'm revealing myself to them. Ils vont grandir. They will grow. Il a donné cette parabole. He gave this parable. Quand le maître voulait venir couper la vigne. When the master wanted to come and cut the vine. Et le serviteur lui a dit, attends un peu. And the servant told him, wait a little, give me 3 years. Je vais mettre l'engrais. I'll put fertilizer. Et si après ça, il n'y a rien, and if after that there's nothing, là tu pourras couper. You can cut it. C'est comme ça qu'il prie pour nous tous les jours. That is how he prays for us every day. Donne-moi encore un peu de temps. Give me a little more time. Je vais me révéler à eux. I'll reveal myself to them. Ils ont un camp. They have a camp. Je vais leur donner des conseils. I'll give them advice. Et ça va marcher. And it will work. Et Dieu laisse. And God leaves it. Le camp est organisé. The camp is organized. On reçoit des lumières. And we receive light. Ça nous révolutionne. It revolutionizes us. Il dit à son père, tu vois, je t'avais dit de t'attendre un peu. And he tells his father, you see, I told you to wait a little. Donc ne crains rien. So do not fear anything. Si tu ne commets pas un péché, if you don't commit sin, que ce soit parce que tu crains Dieu. It should be because you fear God. Et là, ta sanctification est pour la gloire de Dieu. And there your sanctification is for the glory of God. Il y a une autre vertu. There's another virtue. La ferveur. Fervency. Lis pour nous Romains 12, verset 11. Romans chapter 12, verse 11, sorry. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Acte 18, verset 25. Acts chapter 18, verse 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Amen. Une personne fervente, a fervent person, est une personne animée d'un grand enthousiasme. It's a person that is animated with great enthusiasm. Alléluia. Hallelujah. Dans son travail. In his work. Ou pour toute activité. Or for every activity. Toute activité dans laquelle il est engagé. Or every activity in which he is committed. Donc c'est une personne passionnée. So he is a passionate person. Alléluia. Alléluia. Il faut permettre à ton être d'être envahi par ce que tu estimes être pour toi le but de la vie. You should permit your being to be covered with that which you consider the goal of your life. Il faut permettre à ton être, you should permit your being, d'être envahi, to be invaded, par ce que tu estimes être pour toi le but de ta vie. By what you consider to be the goal of your life. On le saura par la manière dont tu en parles. It will be known by the way you speak about it. Par le temps et les opportunités que tu y investis. By the time and the opportunities that you put into it. On le saura. It will be known. Quand tu es envahi. When you are invaded. Par la vision, par ton but.
by the vision, your goal. On le sait par ton langage. We know it by your language. On le voit par tes actes. We see it through your works. On le voit par le temps que tu investis. We see it by the time that you invest into it. Ça veut dire que si l'évangélisation est une passion, it means that if evangelism is a passion, mets-y du temps. Put time into it. Travaille un discours. Work out a discourse. Ne lance pas des paroles en l'air. Tu dois avoir un corps de discours. You should not just throw words in the air. You should have a body of speeches. Qui prouve que tu ne racontes pas les idées en l'air, que c'est quelque chose qui sort de tes méditations. Which proves that you are not just throwing ideas in the air, which shows that it comes from your meditations. Quelqu'un lise pour nous Jean chapitre 4, verset 32 à 34. Someone should read for us John chapter 4, verse 32 to 34. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. La disciple se disait donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. C'est à peu près ce que Jésus exprime ici. It is also almost the same thing that Jesus is expressing here. Il était fatigué. He was tired. Il avait soif. He was thirsty. Mais avec la femme samaritaine, he was with a Samaritan woman. Il a oublié qu'il avait soif. He forgot that he was thirsty. Il a oublié qu'il avait faim. He forgot that he was hungry. Il a parlé. And he spoke. Même l'eau qu'il avait même demandé, il avait oublié. Even water that he had asked for, he had forgotten it. Et il dit à ses disciples, and he told his disciples, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père. That my food is to do the will of my father. Et d'accomplir son œuvre. And to accomplish his work. Ce que tu investis, that which you invest, prouve ou alors est une démonstration de comment ou combien tu es fervent. It's a demonstration of how fervent you are.